mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente un réchaud de marque Camping Car, de marque Bivouac Instantar. Donc comme vous pouvez le voir, il nous vient tout droit de Decathlon. Donc j'ai fait une superbe affaire parce que c'était un modèle d'expo. Donc je l'ai eu à 25 euros au lieu de 50 euros. Donc j'ai fait une très très bonne affaire. Donc comme vous pouvez le voir, il a ses 4 pieds. Donc avec sa sacoche bien sûr de rangement, donc on pourra le transporter avec nous n'importe où. Voilà. Donc sa bouteille de gaz, de butane, de propane. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc elle est neuve, hein, ça se vend pas à part, c'est séparé. Donc je l'ai acheté dans les 3 euros, à peu près 3 euros et quelques. Voilà. Donc on va le monter en sable. Moi voilà, c'est la première fois que je l'utilise avec vous. Donc voilà, il a 4 pieds. On va monter les 4 pieds ensemble. Voilà. Donc ça fonctionne. Voilà, une cartouche CV300, CV470 du bivouac. Hein, c'est quatrième pied. Donc voilà. Donc là c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a l'allumage automatique. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà, il s'allume automatique. Donc je vais faire le premier essai, je vais commencer à monter la bouteille de gaz. Voilà, que ça n'explose pas sur moi parce que c'est un peu... Voilà, donc la bouteille était mise en place, comme vous pouvez le voir. Il suffit juste de l'insérer au fond et de tourner sur la droite. Donc là, on peut s'apercevoir que la bouteille est bien bloquée. Donc, on va faire un petit test, voir si le gaz exactement sort bien. On voit que le gaz sort très très bien. Donc, on va un peu évaporer. Voilà, comme vous pouvez le voir, le réchaud est bien allumé. On peut allumer, régler, voilà, et diminuer aussi. Voilà, on voit qu'il fonctionne très très bien. Donc je vais faire une expérience avec une poêle que j'ai achetée de chez Lidl, qu'on peut la voir. Elle était en promo à 6 euros, donc on peut le voir. Voilà, donc nous allons procéder. On va mettre un petit peu d'huile. Donc, comme je vous ai expliqué, donc on va faire le petit test. On va allumer. Voilà. J'ai mis une petite goutte d'huile. Vous pouvez le voir. Donc j'ai pris un œuf. On va montrer la cuisson. Voilà. Pas trop bien cassé, mais bon, je suis pas doué en cuisine. Par contre, je n'aime pas trop le gaspillage. Je n'aime pas trop le gaspillage. Voilà, impeccable. Ça c'est impeccable. Donc. Le voir, mais nettoyer des mains, je rentre dessus. Donc, voilà. Donc, on laisse cuire quelques minutes. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le réchaud fonctionne très très bien. Allez, à bientôt avec Fisherman pour une nouvelle aventure.